Bonjour et bonjour à toutes pour un deuxième gaming live de Just Cause 2 sur PS3. Alors avec pour tester Wildar ici présent et votre fidèle serviteur Dan. Donc on va commencer avec une mission qui commence fort et des voitures qui explosent, des voitures qui font boum. C'est pas pour la mission, tu dois utiliser son sniper. Ouais, donc la mission consiste, si j'ai bien compris, à assassiner un mec. Ah. Donc voilà, hein. Une paix à leur âme. Arrête de bouger toi. Donc comme je vous l'ai dit, paix à leur âme. Il peut vraiment pas s'empêcher de tout péter. Ouais, j'ai pris. C'est ça? Il est foutu le mec. Mais pourquoi t'as pas tiré dans la putain de tête? J'ai pas pu attendre. Oh les mignons. Oh, bah, c'est déjà fini. Hein. Ouais. Ça a été vite. Ouais, bon, peut-être qu'on pourrait... en faire une autre. Peut-être, ouais. Ouais. Dans une autre vidéo ou on continue cette vidéo? Je pense qu'on va peut-être continuer sur celle-là, hein, parce que... Ouais, parce que ça fait vraiment que pas longtemps. Ah. Ah. C'est, on va en... Oh. Ah, c'est joli, mais... Ouh. Oh. Non, mais j'ai bien... Mais vu comment il conduit, je pense pas que... Parce que ça fait qu'on va enchaîner sur le prix. Donc c'est tout neuf. Donc c'est 60 boules. Ouais. Et après il y a la collector à 70 boules que je me suis payé. Je la montre. Ah, tu peux la montrer si tu veux. Donc voilà. Oh là tu me gâches mon écran. Excuse-moi, Wildar. Oh, tu vas faire quoi là? Tu vas péter un truc? Je vais faire mon bonbon. Ouais. Petit piratage, hein. Il y a beaucoup de petits QTE comme ça. On pourrait peut-être montrer un détournement, non? Max ça plutôt. Kaboum! Si chaud. Si chaud, pété. Alors attention, fusil de précision sans la précision. Ah bah fallait s'y attendre, hein! Je l'ai fait exprès. Oui. Oui, t'inquiète, je te crois. Oui. Donc, j'étais sur l'édition collector. Donc, je vais vous montrer le contenu. Le contenu de. Non, pas besoin de ça. De cette édition. Donc, je suis même pas sûr d'avoir un shampoo, mais on s'en fout. Donc alors, donc fusil d'assaut haute précision, magnifique, ça, génial. Fusil de Rico. Ça et ça. Tu veux l'acheter? Ça coûte pas du cul. Bah on ça, va je peut-être... crois que je peux me l'acheter. Bah on aurait peut-être juste payé l'aéroglisseur de l'agence, non? Mais j'ai pas assez de toute façon. Mais c'est tout terrain, ça peut voler ce machin. Si tu l'accroches à un hélico, oui. Ah d'accord. C'est quoi qui est au-dessus? Alors ça doit être un bug de jeu. Ouais. Il me la livre, elle est toute cassée. Moi je vais me plaindre. On va se plaindre, monsieur Sheldon, c'est ça? Ouais. On va se plaindre, monsieur Sheldon, attention. Allez. Je rêve, on dirait la Batmobile. Il y a une mission en fait juste où t'étais, mais bon. Où ça? Ah non. Ah non, j'ai rien dit. Excusez-moi, je connais pas du tout Dieu, donc j'ai du mal à m'y faire au symbole. Ah. Tu vas aller foutre le chaos dans une petite base militaire? Je rêve derrière, on dirait un peu la Batmobile sans le réacteur. C'est quoi?
Ah non, je confonds. Excusez-moi, fan et fan de Batman, je confonds. Tu es fan de Batman? Bah écoute, on va faire un gaming live prochainement de Batman Arkham Asylum. Et c'est un très bon jeu. Guillaume, j'ai usé 25 000 là-dedans. Oh putain. C'était juste pour vous montrer que le crash était très... Oui, Guillaume. Et aussi... Il y avait pas un mode de jeu là? Non, plus du tout. C'est pas ma faute si ce rocher avait une phase de pochiche. J'aurais voulu t'appeler ce machin 25 000 dollars. C'est pour vous montrer que ça ne sert à rien d'utiliser votre argent au marché noir. Dans les voitures. Dans les voitures, dans les avions. Quoique, quand même. Hein. Surtout dans les avions. Ça va faire boum là, non? Pas encore. Là, ça va faire bouger. Enfin, pas encore. Bientôt. Alors, voici la conduite version Wilda, qui est une conduite très... Comment dire? Spéciale. Oui. Alors, façon de se déplacer, moi je dis c'est BG, c'est beau gosse. Il se vante le petit là, il est tout content là que je dise qu'il se déplace bien. Hein. Ah, je vous jure, c'est... Venant de ta part, ça devrait plutôt être vexant, mais non. Mais alors, ça y est, ne venez même plus me parler de Wilda, je ne le connais plus. Et puisque c'est ça, je ne dirai plus rien de tout le gaming live. T'as tout gagné, voilà. Bon, je vous précise, il est déjà revenu. Hein. C'est pas vrai. C'est juste pour contrôler le temps pour vous, chers téléspectateurs. Bon, vous inquiétez pas, vous ennuyez. Ok, peut-être c'est possible. Ouais, c'est même plus que probable. Ouais. Non, mais dis donc. T'aurais pu quand même demander l'évacuation. C'est quoi cette manière de jouer là? Quoi? Tu pourrais. En plus, c'est classe de se parachuter au-dessus d'un camp militaire. Ouais. Surtout s'il y a des desserts. Hein. Ah, mais mince, je te parle moi! Oui. Je ne dis plus rien. Bah, dis plus rien. Je m'en fous, moi. Vous avez vu comment il me parle, hein? Vous entendez, cher comment on dit, web spectateur, téléspectateur? Je sais pas. Cher téléspectateur, comment il me parle, ce petit prétentieux, là? Ce grand prétentieux. Ah, je préfère ça. Bon, je crois que on va continuer ça dans une... Ouais, on va foutre le bordel dans une troisième vidéo. Et peut-être je daignerai parler. Peut-être. C'est ce que tu es en train de faire. Non, non, non. Bon, bah on vous dit à que ciao. Ah bah à tout de suite. Oui. À toutes.